cette lumière, ça les fout. Bravo, Charles petit. Rassouba, bravo, petit. Fou. Lundi, plutôt lundi. Merci, grâce. À cette belle percée. Fantastique. Et puis Traoré, belle la frappe, quel arrêt de jeu. Et puis derrière, il va se manquer Carmont sur son. Ah voilà, ici encore un beau travail. Un beau travail de Traoré Beignet qui percute en plein axe et qui sert son compère du milieu de terrain, Beignet, Salifou, qui aussi se fait contrer par le gardien Nyanda. Et puis ce troisième pensée qui vendange. Une action où il était tout seul encore. Le dernier dribble. Il faut être très très fort. Waouh, fin de corps avec ce contrôle. Salifou Diarasuba. Poto. Ah, facile pour la défense de la FAD. Ça ne passe toujours pas. Il y a le mur bleu qui est là. Salifou Diarasuba. Ah, il y a un coup franc hein, devant Monsieur Biro Kouassi Frédéric. Il faut faire attention. Des petites fautes qui auront certainement, enfin, j'espère pour cette équipe de la SEC, des conséquences. Bon, des conséquences pour la FAD. Opportunité, puisque Dogou avait raté le ballon. Attention à ça. Salifou Diarasuba. Il va écarter sur les côtés gauche pour Comlan. Comlan. Diarasuba. Extraordinaire ce garçon. C'est l'ouverture du score. Merveilleux que dire encore. Quel bon but de Salifou. Là, ce génie qu'il n'y a pas ici. Et vous voyez encore, il prend le ballon. Il prend la décision de la. Voilà, de faire la différence, il élimine son vis-à-vis. Il passe deux joueurs et d'une frappe instantanée, il arrive à poser le ballon hors de portée du gardien Nyanda. C'est exceptionnel ce qu'il vient de faire. En tout cas, ce joueur démontre la qualité technique, la classe qu'il a. La SEC, vraiment je vous le dis et je le pense, la SEC a de la chance d'avoir ce garçon à la personne de Salifou. Un joueur exceptionnel, superbe joueur, superbe. Regardez vous-même ces actions, le but au ralenti, c'est extraordinaire ce que Salifou a eu à faire. Alors, ça passe pour la joueur. SEC. Et bim alors, le ballon est envoyé. Alors ça, il est resté pantois. Il faut avoir de la qualité pour réussir ce genre de geste. Yanda Ousmane est resté arrêté là. Tout à fait, surtout qu'il a ce petit pont qu'il arrive à faire. Cette passe de l'extérieur. Waouh. Quel sombrero. Waouh. Oh là 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 là, ce joueur. Ces garçons, ça les fout dire à soi. Reviens. Il y a encore du temps, comme on l'a dit à l'instant, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus spontanés, les joueurs de la FAD. Ce grand manque de spontanéité part à prendre le dessus lorsqu'ils abordent la surface de réparation. Oui, mais on voit ici la faute encore. Conditions comme là, maintenant, ils sont dans de bonnes dispositions, j'ai envie de dire. Ah, ils sont excellents. La coqueluche de la SEC Mimosa. Salifou Diarasuba. Ah, c'est fantastique. Ah, c'est un playmaker. Oh, c'est trop beau de le voir jouer, ce garçon. Et voici la SEC Mimosa avec Bansé pour Salifou Diarasuba. On a écarté sur le côté droit. Tigui Yali. Yali. Déviation de Zaki Godwin. Traoré Beni. Salifou. Traoré Beni, quelle combinaison. Bien joué, tout ça. Le 1-2. Salifou Diarasuba. Salifou. Sur le côté droit. Tigui Yali. Le sent beaucoup bien dans ce milieu de terrain, il y a du monde, il y a un pressing de chaque instant. Ah oui, oui, Mbakati Salif. Hop, oh là là là. Regardez ce garçon, il est encore lancé. Salifou Diarasuba pour Godwin Zaki. Position, il est capable de marquer. Le contrôle, le sublime contrôle, regardez. Il reprend le ballon dans les airs, il redescend avec ce ballon. Un plaisir de. 10 Salifou Diarasuba, un match fou où la SEC s'impose, on va dire, c'est au bout d'un bel effort collectif. Ouais, c'était un match très difficile et on savait c'était quoi l'enjeu de ce match. Il était très important pour nous parce que vraiment ça commençait à faire beaucoup et on entendait beaucoup de choses. Il fallait cette victoire pour vraiment se relâcher, se relancer aussi et ça fait un grand ouf aujourd'hui. On est très heureux. Est-ce que vous avez douté un moment quand il y a eu l'égalisation? Non, on n'a pas douté, sinon on n'aurait pas pu revenir au score parce que c'est un match qui était préparé et on a tout donné, on est allé jusqu'au bout pour pouvoir aller arracher cette victoire. Félicitations, opération relance réussie pour la SEC. Mais...